Autre enjeu pour le Front National ce soir à Denain. Direction à présent la permanence du candidat frontiste dans cette 19e circonscription du Nord. On retrouve sur place Ali Ben Bornan. Et visiblement, Ali, on a le sourire ce soir. Absolument, Virna, une soirée festive ici au QG du Front National, mais essentiellement, hein, il faut le dire, une soirée très tendue. Je vous propose de voir un peu ce qui se passe à l'extérieur avec un déploiement de policiers depuis une bonne demi-heure. Il y a eu vers les 20h, 20h05, quand on a pris connaissance des premiers résultats, quelques échauffourées. Ici à l'extérieur du QG, quelques gifles ont été échangés avec des jeunes qui sont venus provoquer les militants du Front National. Je propose d'essayer de trouver Sébastien Chenu qui doit nous retrouver dans quelques instants. Nous sommes en direct, nous sommes avec la suppléante de Sébastien Chenu, il ne va pas tarder à arriver. Déjà une réaction, on vous sent libéré, mais libéré de quoi ce soir ? Libéré parce qu'on a terminé. La campagne est tellement difficile que c'est un soulagement maintenant d'avoir gagné. Je pense qu'on a tous bien travaillé. On a tous bien travaillé et on le mérite. Et ça représente quoi cette victoire du Front National sur cette 19e circonscription? Qu'est-ce que ça représente? Oui, mais au-delà de ça, il faudra des réponses. Il faudra des réponses. Oui, mais ça, je vous les donnerai demain. Aujourd'hui, je suis trop fatiguée. Et on va essayer de trouver Sébastien Chenu. Et à défaut du candidat élu ce soir, Sébastien, peut-être quelques électeurs. Madame, on vous a senti émue tout à l'heure et soulagée. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette victoire du Front National ici? On a travaillé pour l'avoir, la victoire. Et on l'a gagnée. La Marseillaise Virna ici, au QG du Front National. Sébastien Chenu a disparu, donc on le retrouvera a priori tout à l'heure.